Mamadou Sarifou Diallo, bonsoir. Diao Lilouma. Merci de rejoindre sur FIM Digital. Et je suis très heureux, en tout cas, de vous retrouver sur cette page. Quel bonheur de communier avec nos fans, nos sympathisants, nos auditeurs, nos soutiens à travers le monde. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça n'aura guère dit de vous retrouver. Ouais. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, chers amis, chers auditeurs, chers sympathisants, chers défenseurs des droits, de la justice, de la liberté, chers démocrates, merci, merci d'être très nombreux. Voilà, vous voyez, à défaut de notre canal traditionnel, on devient des blogueurs, c'est très important. Ouais. Merci, merci d'être venus tous très nombreux. Je suis vraiment enchanté. Merci. Voilà, je ne vais pas être trop long, chers amis. Et bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes très nombreux à être à la maison, dans vos salons. Beaucoup nous regardent aussi devant les postes téléviseurs. Il y a aussi, pourquoi pas, les cafés, les gargotes. Il y en a la nuit aussi, hein, ça je sais, vraiment. Beaucoup sont également dans les taxis. Mes amis de Bombona aussi nous suivent. Dans les Bombona, les camions, même les maquis, on a besoin de tout le monde. Vous savez, FIM, c'est ce grand public. Nous sommes avec le bas peuple. Hein. Même les ghetto youth, les amis, je sais que vous nous suivez très bien. Merci à vous tous à travers le monde. Merci à tous nos concitoyens de la Guinée et de la diaspora. Et merci à tous qui défendent la démocratie, la liberté, la justice à travers le monde. On s'adresse à vous. Vous savez, depuis samedi 1er juin, la direction générale de FIM a lancé une campagne humanitaire appelée Un geste pour FIM. Un geste pour FIM, c'est très simple. Donc on estime que ça ne se devrait pas. Mes chers amis, détrompez-vous. Toutes les entreprises en difficulté, que ce soit les entreprises médiatiques ou autres entreprises, font recours à cette pratique qui est, en tout cas, en moins de levée de fonds. Comme d'habitude, on se parle en français facile. Si vous ne comprenez pas quoi que ce soit, envoyez des messages, je vais répondre à toutes vos questions. L'exemple le plus récent par rapport à la levée de fonds est celui de Donald Trump aux États-Unis, qui en une journée a récolté plus de 20 millions de dollars. Je ne vais pas dire le montant exact parce que du coup on parle de 30 millions, mais en une journée, il a lancé une campagne pour lever des fonds et ce monsieur qui est multimilliardaire a récolté plus de 30 millions de dollars. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, au Sénégal, nos confrères de Wolfadjr, c'est ça si je ne me trompe, sont aussi passés par cette méthode parce que étant en difficulté et sa portée. BBC, la grande chaîne que vous connaissez, est également passée par là. Donc, FIM FM n'est pas la première entreprise en difficulté à faire recours à cette pratique de levée de fonds. Aujourd'hui, nous sommes brisés. Vous savez que nous existons il y a plus de 3 ans. Et pour rappel, FIM, en termes de traitement salarial, je peux le témoigner, tous les travailleurs peuvent le témoigner, est l'entreprise qui traitait mieux ses travailleurs. On a près de 100 travailleurs. Parlant des travailleurs de FIM, si vous voulez les aider, ne voyez pas seulement les têtes de Mirador. Ne voyez pas seulement Lincoln, Uri, Kabi, Abaka Diallo, Doyen-Jean, Basekou, Emma, Diara Girassi. On a dans le personnel des chauffeurs. On a des vigiles.
On a des techniciens de surface, ceux qui nettoient la maison. On a des reporters. On a d'autres techniciens que vous ne voyez pas, mais qui ne sont pas ces figures que vous connaissez, qui paraissent bien. Ces gens-là sont beaucoup plus en difficulté que peut-être Lincoln, que Uri, que Abakar, que Cabinet, que d'autres. Alors aujourd'hui, depuis 7 mois, près de 100 travailleurs de film vraiment n'ont pas de job. Depuis 7 mois, beaucoup sont menacés d'exclusion de leur domicile. Depuis 7 mois, de camps se retrouvent dehors parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Chers amis, allez-vous accepter qu'on aille tendre la main à ceux qui veulent étouffer Film FM pour perdre notre dignité? Allez-vous l'accepter? Je sais que non. Nous-mêmes, on ne peut pas l'accepter. Allez-vous accepter qu'on ne défende plus les droits de l'homme dans ce pays? Qu'on ne défende plus la justice? Qu'on ne défende plus l'honneur, la dignité? Qu'on ne défende plus la démocratie? Vous n'allez pas l'accepter, nous non plus. Pour soutenir ces travailleurs, il faut forcément, chers amis, participer à cette campagne de levée de fonds. Vous et moi, on se connaît. Nous nous connaissons. C'est le français facile. Celui qui ne comprendra pas un mot, tu ne prendras pas un dico. Tu poses la question, je réponds. Donc, pour aider la centaine de travailleurs de Film FM, nous vous prions de faire parler votre cœur. 5 000, ce n'est pas petit pour un travailleur de film. 10 000 non plus. 100 000 n'est pas beaucoup. 1 million, ce n'est pas beaucoup. Au regard de tout le combat que les chauffeurs de film, les techniciens de surface, les techniciens des studios, des journalistes, des reporters ont apporté à la nation, de la défense de la liberté, de la démocratie, du peuple, du bas peuple, de tous les Guinéens. Aujourd'hui, ces travailleurs ont besoin de vous. C'est le moment de faire parler votre cœur. Puisqu'avec vous, il n'y a pas de cadeau empoisonné. Avec vous, ce que nous gagnons est sincère. Avec vous, ce que nous gagnons est clair. Avec vous, ce que nous gagnons, c'est du halal. Nous préférons vous tendre la main. Chers auditeurs, chers amis, chers citoyens, chers combattants de la liberté, de la démocratie, vous qui croyez en la Guinée, vous qui croyez en notre combat, c'est le grand moment de venir à notre secours. Au secours des plus démunis de film. Peut-être que Lincoln porte des vestes jusque-là. Il est encore dans sa voiture. Mais avec Lincoln, il y a d'autres travailleurs ici qui n'ont plus de logement. Parce qu'ils ne peuvent plus payer leur logement. Parce qu'ils ne sont pas connus. Parce qu'ils n'ont personne qui peut penser pratiquement à les aider. Parce qu'ils travaillent à l'ombre. Et c'est ceux-là qui font ce tout film. Ils ne sont pas dans les studios. Mais ils font le vrai boulot que nous présentons. Ces gens-là ont besoin de vous. Et c'est le moment de les aider. C'est très facile de participer à cette campagne. Vous verrez des écritures défiler en bas. À travers bien facile, il y a aussi surtout un code barre. Et beaucoup estiment aujourd'hui qu'il y a des problèmes pour participer à cette campagne de levée de fonds qu'on appelle un geste pour film. Alors pratiquement, si vous avez 1 franc pour film, allez sur Orange Money. Il y a ce qu'on appelle le code marchand. Le code marchand, il est un peu différent d'Orange Money classique que tout ce que tout le monde fait en Guinée. C'est la plus grande banque, ça vous savez. Mais le code marchand, comment vous pouvez aider à travers ce code? C'est très simple. Vous composez étoile, c'est simple, vous composez étoile 144
étoile, 6. Notre code marchand, c'est le 59-05-80. Vous composez étoile, vous composez le montant, vous mettez votre code secret, après vous mettez Dieu et OK. C'est facile. Je reprends. Comment participer à cette campagne? Avec notre code marchand. C'est simple. Vous composez étoile, vous composez 144 étoile, 6 étoile, le code marchand c'est 59 05 80 étoile encore, vous composez le montant étoile, vous composez votre code marchand, après vous mettez Dieu et vous mettez juste un OK. Si chacun de vous contribue à hauteur de 100 francs, de 1000 francs, la somme de ces montants pourra faire l'affaire des travailleurs de film. On pourra tenir et voir même pourquoi pas d'autres perspectives. On n'est pas prêt à abandonner le combat. Nous sommes avec vous. Nous préférons recourir aux moyens légaux. Nous préférons recourir aux pratiques orthodoxes que de vendre notre dignité, notre âme au diable pour marcher sur votre intérêt, l'intérêt du peuple. FIM a toujours défendu les plus faibles. Vous savez, on a toujours été du côté des faibles. On a été du côté de la justice. On a été du côté du peuple, du bas peuple. On a été du côté de ceux qui sont brimés. Tout cela aujourd'hui nous vaut ce que vous connaissez. On n'est pas là pour peut-être nous apitoyer sur notre sort. Mais nous sommes là pour que vous nous aidiez à aider les plus démunis de notre entreprise. Ils sont très nombreux. Près de 100 travailleurs. Vous ne connaissez pas tout le monde. Nous connaissons des travailleurs qui ne sont pas populaires. Mais qui ne peuvent pas avoir ailleurs parce qu'ils ne sont pas connus. C'est pourquoi nous, visage connu de ce film, nous nous engageons à nous mettre devant vous pour vous demander à penser à ces pères de famille qui ne peuvent plus apporter la popote, en tout cas à leurs enfants, à leur famille, à la maison. Ceux-là dont les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Ces travailleurs de film hier qui touchaient 'ce qui les permettait de vivre, mais qui sont sévrés, en tout cas de ces moyens de subsistance aujourd'hui. Pensez à ceci. Et, comme on l'a toujours fait, on se mettra devant le combat. Ceux qui se moquent ne comprennent pas la situation. Mais, ceux-là qui ont tout fait pour nous mettre en lumière, on se mettra aussi devant la scène pour pouvoir les aider à travers vous. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et toutes les têtes d'affiche de cette entreprise seront devant vous pour expliquer comment participer à cette campagne de levée de fonds. Pour le moment, vous avez deux moyens. Passer par biais facile, c'est très facile. Passer par Orange Money à travers le code marchand. Je reprends comment vous pouvez aider à travers le code marchand. La direction est en train de se déployer pour pouvoir trouver également un numéro Orange Money que tout le monde peut utiliser. Mais en attendant, vous pouvez passer par biais facile et aussi le code marchand.
Le code marchand, il suffit juste de composer étoile 144, étoile 6, étoile. Notre code marchand, je vous donne, il est simple, c'est le 59 05 80. Derrière, vous mettez étoile, vous mettez le montant que vous pouvez. Vous mettez étoile, vous mettez votre code secret. Derrière le code secret, vous composez Dieu et vous mettez OK. Et finalement, ça tombe sur notre compte. Nous comptons sur vous. Je reprends encore pour tout ce qui pense que ce que nous faisons n'est pas normal. Non, cette pratique, elle existe un peu partout et beaucoup d'entreprises en difficulté passent par là pour pouvoir s'en sortir. Puisque avec vous, ce n'est pas un cadeau empoisonné. On croit en vous, on croit en votre engagement, on croit en votre détermination à aider des Guinéens, des bons Guinéens. Peut-être des questions, si vous en avez, on peut échanger et envoyer par message. Et facilement, voilà, on vous répondra. Mais de passage, je suis très très heureux de vous retrouver. Très heureux. Heureux et ému. Voilà. Je vois nos compatriotes de la diaspora qui participent beaucoup à cette campagne. Merci. Et une grande mobilisation également ici en Guinée. Ok, tout le monde demande un numéro Orange Money. Ça va venir. Ça va venir puisque je crois que c'est le moyen le plus facile pour vous de participer à cette campagne. Et je vous promets, au nom de la direction, que ce numéro, vous l'aurez bientôt. En attendant, passez par biais facile et vous avez notre code marchand qui défile sûrement en bas de l'écran, c'est le 59-05-80. Le code marchand, c'est le 59-05-80. Et tout à l'heure, je vous ai dit comment envoyer ce que vous voulez à travers le code marchand. Voilà. Merci. Je vois qu'il y a moins de questions, certainement que les gens ont compris. Et le seul problème maintenant, c'est le numéro Orange Money qui va venir. On vous promet. En tout cas, chers amis, chers sympathisants de FIM, chers auditeurs, nous comptons sur vous pour la réussite de cette campagne. Merci une fois de plus encore. Merci pour votre engagement. Merci pour tout ce que, en tout cas, vous voulez pour une Guinée meilleure. Ensemble, on parviendra. Merci. Merci beaucoup. Thank you.